Salut, mon nom c'est Jessica, je suis kinésiologue. Ça me fait plaisir aujourd'hui de t'offrir une séance d'entraînement qui défoule. Je sais pas pour vous, mais moi après une semaine en quarantaine, j'ai comme besoin de sortir le stress, le méchant, d'oublier ce qui se passe un instant dans le monde. Donc l'exercice, ça fait du bien, ça donne une bonne dose d'endorphine, ça fait qu'on est heureux. Au niveau des exercices aujourd'hui, donc en tant que kinésiologue, je suis bien têteuse souvent pour la qualité des mouvements. Fait que je vais garder quelque chose quand même de simple mais le fun. Ce qui est important de savoir, c'est que si jamais un exercice te cause de la douleur ou t'es pas à l'aise, fais-le pas. Je vais essayer de donner des alternatives aussi sans impact si jamais c'est un exercice qui saute un peu plus. Et bref, amuse-toi, laisse-toi aller, mets la musique dans le piton. Si t'as téléchargé la playlist, ce que je vais faire, c'est qu'avant chaque petit bloc, je vais te dire c'est quoi la chanson, on va la partir en même temps. Puis c'est pas mal ça pour aujourd'hui. T'es prêt? Alors, on va débuter par l'échauffement. Donc, pour préparer, réveiller ton corps, réveiller tes muscles pour l'effort. La première chanson, ça va être Holiday de Green Day. Fait que si t'as téléchargé ma playlist, prépare ça. On passe ça dans 3, 2, 1. Et ça. Donc, pour l'échauffement, tu places, commence pied la jambe des hanches, garde une petite flexion dans tes genoux. Imagine une petite ficelle qui tire ta colonne, ta tête vers le haut. Donc, ta colonne est longue, tes abdos sont engagés. Ça veut dire que tu fais juste contracter un petit peu les muscles de ton ventre, comme si tu t'apprêtais à recevoir un ballon dans le ventre. On va commencer tout simplement par rouler les épaules vers l'arrière. Comme ça ici, continue comme ça. Juste partir mon chrono pour savoir où est-ce que je suis. Continue. Prends une respiration. Allez, aujourd'hui, on lance le stretch. Parfait. Alors, pas de gêne aujourd'hui. Que du plaisir. Au 3, 2, stop. Bras de chaque côté, pouce vers l'avant, tu vas vers l'arrière. Si tu as une douleur à l'épaule, tu stops devant. Si ça va bien, tu balances tes bras vers le haut, tu relâches. Inspire, relâche. Tu peux lever aussi sur le bout des orteils. Ouh! Pense à garder un beau dos droit. Tu m'en fais encore 5. Maintenant, sur place, pieds dans tes hanches, tu vas lever tes genoux. Pas plus haut que tes hanches. Puis attention, imagine qu'il y a un mur devant toi. Fait que tu gardes, lève tes genoux en ligne droite. Hop! Tu peux juste les lever comme ça en alternance. Ou tu peux vraiment venir coller ton genou sur ton ventre. Comme ça ici. Sinon, adios. Donc, c'est important de bien respirer tout au long des exercices. Tu gardes encore pour 3, 2, et on stop. Prochain, donc, les objectifs que tu vas faire, pieds dans les hanches, tes genoux un petit peu fléchis. Tu fais juste laisser le bout de tes doigts glisser de chaque côté de tes jambes vers tes genoux. Comme ça ici. Alors, n'oublie pas, garde ta colonne longue, les abdos engagés. Échauffement, c'est du sérieux. Après ça, on s'amuse. Encore 3, 2, on va faire la chenille. Donc, ce que tu fais, c'est que tu vas marcher sur tes mains pour venir en position de planche, taper les épaules puis revenir. Tu vas regarder de taper les épaules, tape les bras. Donc, tu marches. Tu mets tes mains sous tes épaules. Là, si on laisse pas les hanches tomber, on regarde un beau dos droit. Tape, tape. Tu peux le faire sur les genoux. Tape, tape. Tire tes genoux. Pousse tes fesses. Premier debout, encore. Hop, tap, tap. On en fait deux autres. Tu m'en fais un autre? Tu veux les amuser? Deux. Prochain, petit côté-côté. Tu veux pas sauter, tu veux juste des bas de côté, sinon. Ici. Il reste encore à peu près une minute à l'échauffement. Même chose, mollo. Tu fais plus dynamique. Encore pour 5, 3, 2, et on stop. Pieds en hanches, viens rouler sur les talons et les orteils. Hey, c'est vrai, je ne l'ai pas dit au début, mais
running, toujours des talons ou des chaussures à claquettes. 2. Et on stoppe. Voilà. Alors, il y a un beau soleil qui rentre au studio cet après-midi, ça fait du bien au moral. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui comme type d'entraînement, je vais m'inspirer du Tabata. Tabata, c'est 20 secondes d'effort, 10 secondes de pause. Ça va être simple pour toi à la maison de me suivre, pour moi de gérer la musique, le temps, vu que j'ai une grosse équipe de 1. Donc, on va commencer avec des fentes. Donc, fente, tu vas commencer avec ton pied droit, tu vas mettre ton poids dans ton talon. Tu vas faire un pas derrière. Tu imagines que tu es sur deux lignes parallèles. Dos droit, tu vas inspirer et quand tu reviens, tu expires, tu ramènes tes deux pieds ensemble. Tu imagines que tu as des baguettes de drummer. Pouf, tu donnes un coup de drum. Coup dans les airs, dans le vide. Du air drum ou air guitar. Tu y vas comme tu veux. Tu gardes les abdos engagés. Donc, tu inspires, expires. Donc, tu as le choix de soit descendre ton genou plus bas pour travailler plus musculaire. De façon musculaire. Sinon, si t'es moins à l'aise, tu fais juste un grand pas derrière, prends appui dans tes deux pieds, inspire et ramène tes deux pieds ensemble. Fait qu'à chaque 20 secondes, on va changer de côté. Alors, tu prépares ta toune en 3, 2, 1, go! C'est parti, pied droit!
couché sur le plancher, tu expires sur tes genoux, sur tes orteils. Pour revenir en position de planche, tu ramènes tes pieds, largeur de tes hanches. Tu choisis de venir sur le bout de tes orteils ou de sauter et de l'amortir avec tes genoux fléchis. Si on a des surfeurs dans la maison, vas-y avec un pop-up de surf pour t'imaginer que t'es Costa Rica aujourd'hui. Donc, pop-up de surf. Par ici, on lève debout, on marche ou on saute. Position surf. Si tu mets les pop-up de surf, prends le temps de ramener tes genoux vers l'avant avant de revenir te coucher pour éviter les torsions. Si jamais tu n'es pas capable de venir te coucher au sol, fais-moi les genoux sur place. Deuxième exercice. Tu fais les X-check. Tu prends les deux mains sur tes genoux, un pied à la fois ou les deux. Tu jumps. Ouh! Puis là, si tu veux te défouler, tu as le droit de crier. Ouh! En même temps que tu fais ton X-jack. Vous êtes prêts? On passe ça pour 3 minutes. Même chose, chaque 20 secondes, on change d'exercice. Donc, prépare ton American Jesus. On va partir la tourne dans 3, 2, 1. Go! Burpees! Inspire! Expire, tu décolles! Wouh! Quarantaine. Si tu as un petit ballon,
Donc, ce que tu peux faire, c'est juste de pitcher à terre. Tu l'attrapes, tu lances des airs. Dévoile-toi. Et puis, le deuxième exercice, on va faire un power skate avec le ballon. Donc, ce que tu fais, c'est un grand pas de côté. Tu gardes tes épaules et ton nombril qui pointe vers l'avant. Tu emmènes ton ballon à l'extérieur de tes hanches. Et ce que tu fais, c'est un grand pas marché de chaque côté. Tension ton pied, tu le stops derrière, sur ton talon ou tu le gardes dans les airs. Si tu veux plus cardio, tu peux le sauter. Hop, hop, toujours léger, léger lorsque tu atterris au sol. Donc, vous êtes prêts? Alors, moi je vais prendre le gros ballon. Donc, prépare ta tonne. Je pars le chrono. Dans 3, 2, 1, go! C'est parti! Bang! Lance! Bang! Mais moi j'aime ça changer les noms, c'est plus cool. Donc, tu mets tes mains sous tes épaules, belle position de planche, comme ça ici. Tu gardes tes abdos gainés, tu viens éloigner tes épaules de tes oreilles et tu vas pousser tes genoux au centre, comme ça ici. Plus rapide. Si tu n'es pas en mesure de garder la position planche, mets tes genoux au sol,
puis allonge ta jambe derrière. Donc, tu pousses ton talon dans un mur imaginaire, tu gardes tes orteils pointés vers le bas. L'autre alternative, ça pourrait être juste de faire un petit genou sur place. Le deuxième 20 secondes. 20 secondes, tu danses, tu te laisses aller. Parce que la tune, c'est Dancing with Myself. Et même si t'es un gars, pas de gêne, tu peux danser. Laisse-toi aller. Ou si tu veux pas danser, fais du jogging sur place. Mais je veux que tu bouges pendant 20 secondes non-stop. Donc, prépare ta chanson. Je te danse Dancing with Myself. On part pour donc 3 minutes 20 de plaisir une autre fois. Alors, on part la chanson en 3, 2, 1, c'est parti! Wave Runner! Et tu peux danser avec la tête! Woo! On the floor of Utopia, a download and décalé, tu contractes tes abdos,
Donc un punch, ça part des abdos. Je sais mettre de la boxe. Je trouve que de la boxe, ça défoule. Donc on va boxer le coronavirus. On pouf, pouf. Un petit coup. Abdos solides. Et on part. 1, 2, 3. Box, box. Pour le 20 secondes et on va alterner. C'est la dernière petite tune. Ça dure 2 minutes 20. Donc on va faire 5 fois 20 secondes pour terminer. Donc tu prépares ta tune Ruby Soho de Rancid. Je pars le chrono. Dans 3, 2, 1. Encore. Expire. Et on se continue. Je monte la chanson pour le dernier. Chapelle, 3, box. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aussi. J'espère que tu as aimé ça, que ça t'a fait du bien. N'hésite pas à partager dans les commentaires comment tu as trouvé tout ça. Ensuite, donc la dernière chanson, c'est Concept, c'est Wake Me Up When September Ends de Green Day, en espérant que la quarantaine ne s'étire pas jusqu'à la fin septembre. Donc, reste chez vous, ça passe encore plus vite parce que moi, je m'ennuie de mes gens au studio. On passe ça? Mais relax, prends une gorgée d'eau si t'as. T'es chaud, t'as encore soif? Alors, on parle de chanson en 3, 2, 1. Et c'est parti. Donc, tu vas commencer avec ton pied droit. Je vais mettre de côté pour que tu puisses bien me voir. Tu mets ton pied droit au sol, pour dans ton talon, quatre les orteils au besoin. Petite flexion dans ton genou. Donc, soit ici, ce que tu veux faire, c'est une flexion avant. Tu essaies de basculer ton tronc pour l'amener le plus possible parallèle au sol. Si c'est difficile, prends appui sur ton pied derrière. Donc, flexion là, on garde la colonne longue, les épaules loin des oreilles. Tu prends une grande inspiration. À l'expiration, tu pousses pour revenir soit ton pied au sol ou ton genou à ta hanche. Tu lèves tes bras devant si ça va bien, bras au ciel. Et on revient flexion avant, inspire. Bascule devant. Inspire. Referme. Expire. Ramène. Et on y va pour deux autres fois. Ramène ton genou à la hanche. Et dernier, flexion avant. Comme ça, c'est pas grave, tu pars dans les kilos, on se replace. Expire, ramène. Et relâche tes deux pieds.
marche, on va faire un petit dos rond, donc creux debout. Mets tes mains sur le haut de tes genoux. Inspire, ouvre la cage thoracique et expire, ramène ton menton dos rond. Deux autres fois. Inspire. Expire. Et l'autre fois. Inspire. Expire. On va aller faire la même chose de l'autre côté, pied gauche. Place ton pied gauche, viens dans la ligne de pantalon. Remettez ça un petit peu. Je suis sûre que tu m'entends bien. Alors, parce que j'aime pas ça crier, puis j'aime pas ça quand l'entraîneur qui crie non plus, ça m'agresse. Donc, dos un petit peu fléchi. Même chose, garde ta colonne longue, t'étais pas loin de tes oreilles. Flexion avant sur un pied ou flexion avant sur un la jambe d'écolle. Inspire. Pousse sur ton pied au sol. Ramène ton genou à la hanche. Si t'as posé pas, l'ouvre vers le ciel. Trois autres fois. Flexion avant. Ah! Inspire. Expire. Deux autres. Et un petit dernier, flexion avant. Amen. Et relâche. On revient une fois, trois fois, dos rond, dos creux. Puis la jambe et on se garde le poids dans les talons. On inspire et expire. Inspire. Expire. Hop. Et on relâche. Donc, tu vas là, t'es déposé au sol. En position de planche. Tes genoux, oh, là, vos soleils, tes genoux sur les orteils. Plie tes genoux, pousse ton plexus vers le ciel et prends une grande inspiration. À l'expiration, tu déroules vertèbre par vertèbre, ton dos tu viens faire la balle. La tête en dernier. Et on y va pour deux autres fois. Inspire. Expire, déroule, reviens en planche sur les orteils ou sur les genoux. Deux autres fois ici. Inspire. Expire, fais la vague. Garde les abdos bien gainés et une dernière fois. Inspire, pousse les pieds vers le ciel. Expire. Dos droit. Dépose tes genoux au sol ou reste par le pied sur les orteils. Tu viens pousser tes fesses vers tes talons. Et expire, tu reviens en position de planche sur les genoux ou les orteils. Et l'autre fois, inspire. Expire. Dernière fois, inspire. Et expire. Viens t'asseoir. Et pour deux, bonne grande inspiration encore. Expire. Un bras devant, un bras derrière. Inspire. Expire, l'autre fois de chaque côté. Hop. Et on se retrouve peut-être dans une autre vidéo, qui sait?